Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre vidéo de peinture acrylique. Écoutez, cette fois, on va y aller de façon quand même assez rapide. Mon assistant est quand même assez docile, là, mais quand même, je pense qu'il préfère être à terre plutôt que dans mes bras. Pour l'instant, je le garde sur moi quand même. On va y aller, on va procéder de façon rapide, comme j'ai dit. On va faire un diptyque. Par contre, cette fois, on va faire un diptyque très spécial, vous allez voir. On va utiliser du collant. Et puis pour assembler nos deux toiles, et puis on va les fermer comme une sandwich. Alors écoutez, on va voir ce que ça donne, et puis on vient pour le mot de la fin. On y va? We'll be right back.
j'adore cette façon de faire. Écoutez, après ma vente, je dois vous dire que ça fait un petit peu plus de dégâts. Hein, je pense que c'est la première fois, comme vous savez, je ne mets pas de tablier. C'est très, très rare, du moins, que je mets un tablier lorsque je fais de la peinture. Mais cette fois, je suis obligé de vous dire que ça aurait peut-être été requis. J'en ai même mis sur whisky. Bon, écoutez, c'est Nicole qui va se l'apercevoir. Mais étant donné que c'est de la peinture acrylique, ça s'enlève facilement. Hein, on peut dire ça comme ça. Et écoutez, le fini, je crois que c'est très intéressant. Comme vous avez vu, c'est très étrange qu'est-ce que ça nous fait comme rendu. C'est vraiment un diptyque qui est différent, un dipping qui est différent aussi de tous les autres. Je crois que le trouble que ça donne en vaut la peine. Encore une fois, c'est très subjectif, mais je crois que ça nous fait un rendu qui est vraiment incroyable, qui est vraiment différent. Et puis cette fois, avec le fond blanc, je suis obligé de vous dire que j'adore. Hein? Souvent, je préfère, dans la plupart des cas, les fonds noirs. Par contre, cette fois-ci, je trouve que c'est très approprié et puis ça va vraiment avec le rendu qu'on recherchait. Comme vous avez vu, je n'ai pas fait exprès de ne pas aligner les toiles. En fin de compte, les toiles étant alignées, une fois qu'on a ajusté pour venir remplir la partie qu'on avait mis, le collant, ça l'a changé un petit peu, mais je trouve ça quand même agréable qu'une fois apposées sur un mur, elles ne sont pas tout à fait égales. Je trouve que ça lui donne de la personnalité, en quelque part. Comme vous avez vu, ce qui est très important, au début, une fois que j'ai mis mon blanc pour la couleur de fond, j'ai brûlé hein, pour enlever les bulles d'air, pour éviter les ballons, pour éviter en tout cas tous les petits défauts dans la peinture. Après, j'ai réajusté mon blanc et puis j'ai passé aussi par-dessus ma couleur, le chalumeau, tout simplement pour enlever les bulles d'air. J'ai utilisé seulement que de l'eau du flotterol. Cette fois, je vous le dis, le ratio, c'est pas compliqué. J'ai mis environ, approximatif, mais j'ai mis environ près de 3/4 de flotterol pour 1/4 d'acrylique et un peu d'eau pour mélanger le tout. Je trouve que le résultat est superbe. Écoutez, encore une fois, c'est subjectif, mais à vous de décider. Écoutez, là-dessus, merci d'être là. S'il vous plaît, abonnez-vous pour nous aider à atteindre notre objectif de 10 000 abonnés. On s'approche à grands pas, ça va être vraiment plaisant, puis ça nous encourage, à défaut, de monétariser cette chaîne. Alors écoutez, oui, encore une fois, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez, c'est toujours apprécié. En mon nom, Nicole et notre grosse patate whisky, je vous attention à vous pour se revoir dans une vidéo. Ciao!